Ce doit être le passage dont parlait O'Neill. Lily. Oh, cet endroit me rend dingue. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
une société secrète qui enlève Lily et met en scène sa mort. Tu réalises à quel point c'est dingue. Mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça? Mira, je sais que c'est difficile à accepter, mais... elle est partie. Notre petite fille est partie. Mais j'ai des preuves. Regarde. Mira, ça t'obsède. Tu as besoin de repos. Une fois que tu seras passé à autre chose, tu apprendras... Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Mira. Tu avais raison sur toute la ligne. Mais pourquoi est-ce que je vois ça maintenant ? Derrière. Faufiler derrière.
Cet endroit était pas censé être stable, bordel. La destruction s'est aussi répandue jusqu'ici. Je ne sais pas si cet endroit va tenir encore longtemps. Quelqu'un semble bien profiter du spectacle. Quelqu'un m'observait. Lily. La personne qui était là a amassé des informations à son sujet. Ne bougez plus. Vous êtes de Mobius, non? Fermez-la. Pas un mot. Vous n'êtes pas l'un des nôtres. Non, je ne le suis pas. Kidman m'envoie. Écoutez, je suis là pour aider, d'accord? Je m'appelle Sebastian Castellanos. Vous mentez! Sebastian Castellanos est mort! Quoi? Mais non! Qui vous a dit ça? Allez, tournez-vous. Doucement. Vous êtes Yukiko Hoffman. Comment vous connaissez mon nom? Je vous l'ai dit, j'ai été envoyé ici pour trouver ma fille Lily. Le noyau. Je vous dis la vérité. Je sais. Vraiment? Pas de micro-expression ni de déflexion. Pas de mise en valeur verbale. J'en ai assez vu pour savoir que vous dites la vérité. Ouais. La psychologue de l'équipe. Je dois utiliser les outils à ma disposition pour survivre. Le combat n'est pas mon point fort. Ça n'a pas l'air d'être le point fort de grand monde par ici. Désolé de vous avoir menacé. Ils envoient des personnes extérieures à présent. Ça signifie que ça s'arrange pas. Vous avez trouvé d'autres membres de l'équipe? Oui, mais seul O'Neill était encore en vie. Liam est vivant? Bon. Il a fait des progrès sur la stabilisation? Le gros émetteur est réactivé, mais cet endroit continue de tomber en ruine. Et je pense que c'est à cause de ce psychopathe qui a kidnappé Lily. Il erre librement dans Union, manipulant l'environnement à son gré. Ça signifie que ma théorie était correcte. C'est bien plus qu'une déconnexion du noyau. En tant que docteur, je n'utilise pas le terme de psychopathe à la légère. Mais ici, c'est approprié. Seul un cas clinique de psychopathie peut affecter le stem de cette manière. Une personnalité de type psychopathe utilisant Lily pour amplifier ses pouvoirs.
La situation ne pourrait pas être pire. Vous êtes psy. Vous devez avoir une idée de la façon de le battre. Les psychopathes sont antisociaux. Ils manquent d'empathie et montrent des tendances sadiques. Mais leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique. Ils ne s'intéressent pas aux autres, seulement à eux-mêmes. Vous savez si quelque chose semble important à ses yeux ? Ouais. Il pense être une sorte d'artiste. Il passe son temps à parler de ça. Alors, la meilleure façon de l'attaquer réside dans son art. Détruire quelque chose auquel il tient pourrait lui faire perdre pied. Je garderai ça en tête. Mais il faut d'abord que je l'atteigne. Il s'est planqué dans le théâtre. Bien. La sortie des cinq, alors. Elle est juste là, dans la pièce à côté. Synchronisons nos communicateurs pour pouvoir rester en contact. Je vais reprendre mes dossiers pour voir si je peux dénicher plus d'informations sur la situation. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Dans tous les cas, il va certainement être difficile à battre. Prenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin ici. Lily me croit vraiment mort? Ou est-ce que c'était simplement pour voir si je mentais? Désolé, mais oui, elle croit que vous êtes mort. Et moi aussi, je le pensais. Jusqu'à maintenant. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre en doute les informations relayées par Mobius. C'était pas difficile de voir que vous disiez la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour quel genre de monstre travaillez-vous? Je sais que c'est pas juste. Mais pensez à ça. Lily est sûrement moins traumatisée de vous croire mort que de vous savoir vivant mais loin d'elle. Ouais, peut-être. Mais que se passera-t-il quand je la retrouverai? Vous inquiétez pas. Elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra. Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du STEM, comment l'un d'eux a pu finir ici? J'en sais rien. Chaque individu placé dans le STEM a été soumis au préalable à toute une série d'examens psychologiques. Et nous les avons tous observés d'ici, en secret. Pour surveiller les comportements instables. Ouais, et ben ça a pas l'air d'avoir marché. Malheureusement, la psychopathie et la sociopathie sont très difficiles à diagnostiquer. Les psychopathes sont souvent très intelligents et rusés. Conscients de leurs conditions, ils sont capables de se fondre parmi nous. Le fait que celui-ci ait pu se jouer de nous, il est habile et lucide. C'est très troublant. Super. Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux. Je me sens affreusement responsable de tout ça. J'ai aidé à mettre en place ces tests. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça. J'ai étudié de près l'incident à Beacon, afin d'éviter d'autres désastres de ce genre. Dans ce cas-là, la personne en question était le noyau. Mais malgré ça, l'environnement était resté relativement intact. Ici, quelque chose semble vraiment cloché. Que voulez-vous dire? Les créatures. La destruction d'Union. La panne totale des communications avec Mobius. Ça me semble beaucoup pour une seule personne. Même avec la puissance du noyau. Il a parlé de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau, lui aussi. Ça pourrait être... Non. C'est trop horrible, rien que d'y penser. Quoi? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante qu'un psychopathe ici. Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre ma théorie. Thank you.
Allez, continue. Hé, Kidman. Je suis là. La première fois que j'ai vu Mira, elle portait cet uniforme. Je crois que c'est là que je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais pas l'admettre. Mais après sa blessure en mission, je savais qu'il fallait que je lui avoue mes sentiments. Elle était une femme et une mère si extraordinaires que j'oublie parfois à quel point c'était aussi une bonne inspectrice. Elle avait raison. Elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de la mort de Lily. Je veux dire, de son kidnapping. J'aurais dû la croire dès le début. Vous n'aviez aucun moyen de deviner la vérité. Vous le savez. Vous n'avez pas bonne mine. Laissez-moi vous aider. Vous semblez plus détendu, inspecteur. Vous avez trouvé une alliée potentielle dans ce monde dangereux. J'en suis pas si sûr. Je ne sais jamais en qui avoir confiance ici. Ça s'applique aussi à vous. Dommage, après tout ce que nous avons traversé. L'isolement et la méfiance ne sont pas des symptômes de maladie mentale, mais des conséquences de cette dernière. Vous renfermer sur vous-même ne fera qu'aggraver votre état. Vous êtes humain. Vous avez besoin de vous connecter aux autres comme une plante à la lumière. La seule chose à laquelle j'ai besoin de me connecter est votre machine. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir.
Merde, je sens plus maintenant. Ce truc m'a pratiquement arraché le bras. J'arriverai pas à lutter avec ce pistolet à billes. Il me faut du lourd. Il faut juste que j'arrive à rentrer dans la réserve à côté de la planque. Merde, c'est Stevens qui a la clé. Elle va revenir avec la clé et le blindé. Je dois juste tenir jusque-là. J'en peux plus. Je vais juste me reposer deux secondes et attendre Stevens. Bon, le théâtre. J'arrive. Merde.
dirait qu'il a des ennuis. S'il y a une clé, c'est qu'il y a un verrou. Je me demande où il peut être. Ah!
Ouais. Ça, ça me plaît. Merde. Bon, ces caisses sont fermées.